Cégep en spectacle est une production du réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec, une réalisation du Cégep de Victoriaville et une présentation de Desjardins, en collaboration avec le gouvernement du Québec, le secrétariat à la jeunesse et la Fédération des Cégeps. Ce concours est aussi rendu possible grâce à de nombreux partenaires et nous tenons à les remercier. Bonsoir Victoriaville, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue à la 42e édition de la finale locale de Cégep en spectacle. Cette année, cher public, nous t'offrons une formule bien différente des années précédentes. En effet, tu vas pouvoir nous visionner dans le confort de ton salon. Donc, pas besoin de te mettre sur ton 36 pour sortir ce soir. Si tu veux nous visionner en mangeant des chips, des crudités ou même en étant en speedo, cette année, tu as le droit. Je te souhaite la bienvenue à toi, gens qui viennent d'un peu partout. Que tu proviennes du Pays de Galles jusqu'en Tahiti, tu es la bienvenue à la finale locale du Cégep de Victoriaville. Donc, les jeunes que vous allez voir ce soir ont bien hâte de performer devant vous pour vous faire passer une excellente soirée. Donc, la soirée commence dans 5, 4, 3, 2, 1, bonne soirée! Artiste et étudiante sérieuse et concentrée, elle nous surprend cette année avec une composition toute personnelle. Sa persévérance, lui aussi, utile en musique qu'en agriculture ou qu'en philosophie. Dans la catégorie chant, musique, création, veuillez accueillir Léane Bergeron, qui nous fera découvrir sa chanson intitulée « Paraître forte ». Bonsoir, je m'appelle Léane. Vous êtes mon premier public pour ma toute première composition « Paraître forte ». Savoir où se placer, ne plus savoir à qui s'identifier, avancer sans savoir où aller, l'impression de ne pouvoir s'échapper, faire rire les autres, voir leur sourire, sans jamais voir le nôtre, fermant les yeux sur l'avenir, la personne qui paraît la plus forte. Voit sa confiance morte. Elle se sent prise, prise devant cette porte. Et pour elle, plus rien n'importe. Voir chaque jour passer sans vraiment le remarquer. Avancer sans penser, ça finira par me tuer. Devoir tout réapprendre, tout étant devenu cendre. Ne pas pouvoir les entendre.
tout ça est difficile à comprendre. La personne qui paraît la plus forte voit sa confiance morte. Elle se sent prise, prise devant cette porte, et pour elle plus rien n'importe. Désolé pour ce léger contretemps. Comme on dit, on n'est jamais trop prudent. Non, mais qui sait si le COVID a passé à travers ça? Tu pourrais me rentrer avec un 10 roues direct d'en face, ce serait comme une mouche qui s'écrase ton pare-brise. Non, sans farce, là, quand je te dis que c'est indestructible, c'est que c'est indestructible. Ah, ce casque-là, là, il m'a donné une idée de génie. Si tout le monde avait ça sur la tête, là, on serait de 1, protégé du virus, de 2, des accidents, et de 3, des bébés chats. Non, mais il n'y a quand même pas juste moi qui a peur de ces monstres-là. Là. Hey, ils sont sournois. Ah, la semaine passée, là, j'étais assis bien tranquille. Là, il y a un chat qui arrive de nulle part. Il vient se mouer, il vient se gratter, se frotter. Hey, moi, il débarrasse. Puis c'est là qu'il commence à m'attaquer. Il me saute d'en face. Oh, ben, je vous rassure, là, il n'y a pas eu de restant. On l'a tout passé en ragoût. Puis y a-tu juste moi aussi qui trouve que les gens changent avec cette pandémie-là? Non, mais moi, c'est mon voisin. Il me fait peur, il est rendu sauvage. Hey, le mois passé, là, il est venu me voler mon journal en grognant comme une bébête à quatre pattes. C'était effrayant. Puis, là, il va prendre des marches seul dans le parc canin, puis il tient lui-même en laisse. Bon, seul avantage que il est encore propre à son âge. Il est tout à fait en phase avec le milieu de l'humour en puisant dans son propre vécu pour créer ses numéros. Son allure sérieuse nous fait deviner qu'il a aussi un plan B. Il pourrait bien devenir notaire. Dans la catégorie humour-création, mesdames et messieurs, le seul et unique Camilo Andrés Mendoza. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que ça va bien à la maison? Je peux pas vraiment le savoir, là. Mais j'espère, je souhaite réellement que ça aille bien à la maison. Donc j'aimerais commencer mon numéro en vous montrant des petits bonhommes, des petites figurines qui ont vraiment marqué mon enfance, d'accord? Ils sont juste ici dans cette boîte. C'est trois clowns. Puis j'ai vraiment joué souvent avec quand j'étais enfant. OK, gars, je vais vous les montrer, là. Voici le premier clown. Le voici, le voilà. Lui, je l'ai appelé Jésus. Et je l'adore, OK? Je l'adore autant que le deuxième, qui est juste ici. Lui, c'est un vrai, de vrai clown, là. Lui, je l'ai appelé Snoop Dogg. Je l'adore. Le bon vieux Snoop Dogg, là. Ah, j'y joue souvent avec, je m'en rappelle. Mais mon préféré, c'est le dernier, et non le moindre. Le voici, le voilà. Oh. Bon, il ressemble moins à un clown comme les deux autres, là, mais quand même, c'est un funny guy. C'est un petit niaiseux pareil. Donc lui, je l'ai appelé... Je l'ai appelé Silence de 10 secondes, et je l'adore. Je les adore tous, en fait. Là. Mais j'ai voulu vous parler de ça parce que c'est intéressant ce qu'on fait avec eux quand on est enfant, hein. Quand on est enfant, je tiens à préciser, parce que ça serait foquant, s'il vous plaît, qu'un homme mature de 45 ans fasse « Hey, maman, regarde, Snoop Dogg est tombé par terre! » Ta mère est morte 4 ans, mon homme. Les enjeux sont différents. C'est spécial, parce que les enfants sont innocents, semi-naïfs, t'sais. Puis ils prennent vraiment tout au pied de la lettre. Hein. Ils prennent vraiment tout au pied de la lettre. Pied de la lettre, pied de la lettre, pied de la lettre.
prenne vraiment tout au pied de la lettre, OK? Puis un exemple qui m'est arrivé récemment. J'écoutais la télévision sur le sofa avec un enfant de 7 ans à peu près à côté de moi. Puis à un moment donné, il me dit « Hey Camilo, je peux-tu aller pisser? » Là, évidemment, je réponds « Ben oui, mon homme, vas-y, là, pas besoin de me le demander, c'est là-bas. » Mais lui, il va pas là-bas. Non, non, lui, il va pas là-bas. Lui, quand il a entendu « Vas-y », directement, il a sorti son tournevis de pression Mastercraft de ses pantalons kaki, puis il commence à bénir le merveilleux nouveau sofa en cuir orange de 700$ de sa bonne vieille pigeonne trépubienne, OK? Là, j'ai comme une réaction relativement primitive à tout cela, tu sais, comme... Voyons, qu'est-ce que tu fais là, collègue de Nono de Corio, tu sais? Là, je décide d'appeler sa mère, là, pour essuyer ce liquide organique, ce fluide odorant. Là, sa mère, elle arrive, elle descend, elle marche, elle check ça, puis elle dit... une chose qu'elle n'a pas envie de chier! Là, pendant que je suis plié en deux par cette blague phénoménale, le petit gars arrive, il me touche l'épaule. « Hey, peux-tu mettre Pat Patrouille? Peux-tu mettre Pat Patrouille sur la télé? » Là, je dis, « Là, mon homme, là, c'est pas le temps. » Oh, chier. Puis ce que j'ai dit, c'était une erreur, une énorme erreur, parce qu'il était rendu de même. « Va chier, t'as-tu dit va chier? C'est la télé, t'es sûr? » Tabartown. Tu sais, je peux pas le blâmer, là. C'est ça, l'innocence de l'enfance. Mettons, c'est sûr qu'on la perd, cette innocence-là, tu sais, après l'enfance, l'adolescence, où on perd ça. Parce que, mettons, tu demandes à un enfant, il a peur de quoi, il va dire, « Ben moi, j'ai perdu noir, ou du mon senti de mon lit. » Mais si tu me demandes ça à moi, je vais te dire, « Ben moi, j'ai peur de l'imparable menace du temps qui nous consomme peu à peu jusqu'à notre mort inévitable sur cette infime planète vivant dans un désert infini d'astres qui meurt réellement à petit feu du gros changement climatique extrême engendré en grande partie par les habitudes de vie de la race humaine. » Et j'ai peur des oiseaux. Mais vous voyez, tu sais, les enjeux sont différents. Puis à l'adolescence, habituellement, t'as aussi ta première expérience laborale, t'sais, ta première job à temps partiel. Puis il y en a des affaires intéressantes qui se passent rendu là, hein. Puis moi, l'autre fois, je travaillais à l'épicerie, j'étais à la caisse, puis après une transaction, je dis au client, « Monsieur, voulez-vous la facture? » Et je vous jure, il me répond, « Oh non, 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 juste la facture. » Pardon? Tu réponds quoi à ça? Ça, c'est le genre de gars que tu dis, « Hey, salut, ça va bien? » »« Oh oui, je suis en dépression. » Tu sais, c'est bizarre, l'adolescence. Mais bon, après tout ça, il y a bien sûr l'âge adulte, hein? Les impôts, puis d'étudiantes, les dettes, l'adultère, le divorce, etc. Et après l'âge adulte, il y a bien sûr le troisième âge, l'âge d'or, hein? Bon, là, je m'y connais pas trop rendu à cet âge-là. Fait que j'ai décidé de vous partager une lettre que mon grand-père m'a envoyé récemment avant qu'il décède. Et je n'ai malheureusement pas pu le voir dû au contexte actuel. Donc, je vous lis la lettre. À mon grand-fils, sache que mes jours sont désormais comptés. Je ne veux pas que tu te soucies ni que tu te préoccupes. C'est inévitable. Je suis navré de ne pas pouvoir passer les prochains grands moments de ta vie avec toi. Pas seulement ceux-là, mais aussi les moments difficiles qui s'en viennent. Il va en avoir, crois-moi. Pour finir, je veux te souhaiter une vie remplie de bonheur, résilience et surtout de plaisir. N'aie pas de regrets. Je t'aime, grand-fils. Adieu. Mais en passant, il est pas mort, là. C'est juste une image d'un gars qui se fait une ligne de poudre, là. Inquiétez-vous pas. Je vais vous laisser là-dessus, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir. Mon nom, c'est Camilo Mendoza. Bonsoir. En ces temps maudits, prenons-nous le temps de penser à nos ratons laveurs. Ces amis fidèles, capables de transformer un garage en une chambre d'ado, en un avant-midi. L'autre jour, je parlais avec mon ami alcoolique qui a le cancer du pancréas et qui écoute la voix. Je lui ai dit, « As-tu eu une pensée pour les ratons cette semaine? Nous devons replacer le raton à la place qu'il mérite dans ce pays pour que lui aussi puisse dire, « Je suis capable. »
On estime qu'environ 34 % des ratons ont des troubles de santé mentale et se nourrissent de ce qu'ils trouvent dans nos poubelles. De plus, nombre de ratons n'osent pas demander de l'aide parce qu'ils ont peur d'être jugés, de ne pas être compris. Vous qui m'écoutez, soutenez notre campagne Danone Brave Gutweiser et parrainez les études de l'Université de Lucar, l'Université du Québec aux ratons. Les ratons pourront et domineront. Raton for president! Raton for president! Mettons les choses au clair. Jacob n'est pas un batteur frustré ayant jeté son dévolu sur une guitare. Et Benjamin n'est pas un guitariste sans caractère relégué à la basse. Deux jeunes passionnés de musique et de littérature. Dans la catégorie chant, musique, création, veuillez accueillir Benjamin Mayotte et Jacob Castonguay qui vous interpréteront Caféine et à la prochaine fois! Salut maman et les autres téléspectateurs à la maison, on est test numéro 48, composé de moi-même, Ben Test, et mon acolyte, Jack 48. Aujourd'hui, on vous présente deux compositions. La première s'intitule « Caféine ». Alors bon, allons-y quoi? Tenu par le vide, au fond d'une baignoire, j'enfile mon sourire, et tu y crois encore. Chaque jour sa routine, je ne peux plus rien voir. Tenu par un fil, aucun contrôle de mon corps. Il est impossible de faire ce qu'il est. Le temps passerait plus vite, la vie en accélère. J'avance dans la rue, les regards se figent sur ma veste de jeans. Le reflet de mon cœur, le travail me gruge toute mon énergie. Trois cafés plus tard, le sommeil se fait rare. Il est impossible de faire ce qui est. Le temps passerait plus vite, la vie en accélère. Impossible de faire ce qui est. Le temps passerait plus vite, la vie en Merci beaucoup. Donc, c'était Caféine. La prochaine pièce, c'est une chanson que j'ai écrite qui me tient beaucoup à cœur. Et son nom, à la prochaine fois. Notre pays sans habits, sans abri,
Y'a seulement l'oubli dans vos têtes qui me soupire des bêtises. Mes amis démunis, noyés dans le rire, et leur face désemparée lorsqu'ils regardent le prix. J'en peux plus d'y penser, ma tête va exploser. Et les ibuprofènes en pierre qu'on avale en pocheté. Ah ah ah, tant plus loin que l'image, les médecins bouillants et immaculés. Mais moi j'ai pas peur de ça, j'ai pas peur, j'ai pas peur. S'il n'y avait plus d'espoir, j'arriverais à y croire. Fleur de l'Est. Et si on se relevait, on pourra vivre en paix. Fleur de semble dans les veines, j'ai purgé ma peine. Vous êtes tous les bienvenus dans ce grand monde perdu. Cigarette entre les dents, le couteau dans le dos, à nous charcuter le moindre morceau de peau. Ah ah ah, l'attente plus longue que l'hiver gelé, le sang bouillant et immaculé. Mais moi j'ai pas peur de ça, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Et s'il n'y avait plus d'espoir, j'arriverais à y croire. Du lest. Et si on se relevait, on pourra vivre en paix. Fleur du lest. Mes chers amis, vous êtes en train de dire, à la prochaine fois, gens du pays. Si vous ai bien compris, vous me dites à la prochaine fois. Merci beaucoup tout le monde. Vous avez été le meilleur public qu'on a jamais eu. On se revoit très bientôt, quoi? Rebonsoir, cher public. On m'a demandé de faire une présentation approfondie des concurrents de ce soir, mais j'ai seulement 60 secondes pour le faire. On va donc y aller rapide et bref. Léane, Camilo, Benjamin, Vincent, Jacob, Nathaniel, Léa Maud et Nicolas. Fait que... c'est ça. J'ai fini. Il me reste maintenant 37, 36, 35 secondes à passer avec vous. Hey, avez-vous remarqué? Le soleil s'est encore levé ce matin. Ouais. Pour moi, on en a encore longtemps avec lui. Ouais. Est-ce que je suis seul qui trouve que c'est bizarre? L'eau, là, ça goûte à rien, mais c'est bon. Non, mais c'est comme... c'est bon? Mais ça goûte rien. Puis le vent, là, il me souffle dans l'oreille des mots. Il me dit des poèmes. C'est comme, wow, la vie est belle. C'est vraiment magnifique.
Doté d'une confiance en soi et d'une lucidité remarquable, il n'hésite pas à enfoncer les portes qui le mènent à de nouvelles expérimentations musicales sur YouTube. Dans la catégorie chant, musique, création, voici Nathaniel Duval et ses chansons « L'histoire d'un amour court » et « Le monde à l'envers ». Salut, je m'appelle Nathaniel. J'ai 19 ans et c'est la deuxième année que je fais cégep en spectacle. Je vais vous présenter deux compositions aujourd'hui. C'est vraiment important pour moi, la musique, parce que c'est une manière d'exprimer les émotions que j'ai besoin de faire sortir. À travers la musique, en plus, je trouve que ça donne un petit quelque chose. Donc, ce soir, je vous présente deux compositions. La première, qui s'intitule « L'histoire d'un amour court ». Chaque jour, je pense à toi, à l'amour qui me fuit, que je n'ai pas. Chagrin, jour et nuit, jamais rien de ressenti, non. Pourtant, je suis là, j'attends les bras. Déjà une semaine, tu me dis être prêt. J'y réfléchis, j'y songe, je me dis j'y vais. Chaque dimanche, on se voit. Chaque soir, je parle de toi. Tu veux rencontrer mes parents? Pourquoi pas? Autour de moi, je ne comprends plus. L'amour, une promesse qui ne tient plus. Un je t'aime et puis tu pars. Que voulait dire ce au revoir? Autour de moi, je vois ta vraie nature. J'embrasse ma première fois, je suis tout ému. Il me dit, tu sais, je t'aime, je t'aime plus. La semaine passe au ralenti, que dimanche vienne, Dieu vous en prie. J'ai déjà ta Noël en bonne compagnie. De moi, je ne comprends plus. L'amour, une promesse qui ne tient plus. Un je t'aime et puis tu pars. Que voulait dire ce au revoir? Autour de moi, je vois ta vraie nature. Autour de moi, je ne comprends plus. L'amour, une promesse, tu ne la tiens plus. Un je t'aime et puis tu pars. Que voulait dire ce au revoir? Autour de moi, je vois ta vraie nature. On enchaîne avec Un monde à l'envers. Tout seul dans ma chambre à écrire des histoires, sans repas ni de pas, seulement quelque chose à boire. Je sais plus où m'en aller, j'ai perdu l'horizon. Personne à qui me confier, j'ai perdu la raison. Car de manière pas mieux, c'est une facette du monde où j'ouvre les yeux.
pas que l'on nous contrôle ou le savoir n'est plus que de mystérieuses choses. Car on sait jamais où on va et c'est un plaisir pour un mais une peine pour moi et j'observe les autres qui savent quoi faire et j'observe le monde. Tout seul dans ma chambre à écrire des chansons. Sans lumière, je me sens en enfer dans mes propres décisions. J'ai trouvé ma voie avec mes amis. J'suis certain où je suis dans la vie. C'est l'étape où je frappe. Je ne vois plus l'avenir. Je m'en tape, je me concentre sur la personne d'aujourd'hui. Car demain n'ira pas mieux. C'est une facette du monde où je ferme les yeux. Car c'est un endroit que l'on ne contrôle, où le savoir n'est plus que de mystérieuses choses. On sait jamais où on va, c'est un plaisir pour un, mais une peine pour moi. Et j'observe les autres qui savent quoi faire. Et j'observe le monde à l'envers. Mais je sais que demain j'aurai un travail, une passion. Quelqu'un dans ma vie, une unification. Plus aucun regret, aucune hésitation. Où je m'en tape, je ne pense plus aux mauvais souvenirs. Demain ira mieux, c'est une facette du monde où j'ouvre les yeux. Endroit que l'on nous contrôle, où le savoir n'est plus que de belles choses. On sait jamais où on va, c'est une peine pour un, mais un plaisir pour moi. Et j'observe les autres qui savent quoi faire. Et j'observe le monde à l'envers. J'ai quelque chose d'important à t'annoncer. Ça fait à peu près un an que je vois plus personne. C'est dur. Par chance, j'ai rencontré une fille le mois passé. Attends avant de me juger puis de me traiter de coupable puis d'illégal. Là. Laisse-moi te la présenter. Tu vas voir, elle est belle à croquer. Le seul pépin avec elle, c'est qu'elle rougit à rien. Son nom, McIntosh. On a décidé d'inviter son verger du côté de sa mère pour Noël. On n'avait pas le choix. Sa grand-mère allait passer en compote la semaine d'après. Je me sens mal. Mal d'avoir désobéi. Mais surtout, mal d'avoir fait une croustade aux pommes pour dessert. C'était leur recette familiale. Le lendemain, ma petite touch, elle ne m'a pas rappelé. Maudite tarte! Fait que depuis ce temps-là, je suis seul. Puis je commence mon année seul. Je vais t'avouer que j'ai déjà un petit faible pour une nouvelle. Le seul problème avec elle, c'est que tout va vite, vite, vite. Elle veut déjà qu'on se marie. Elle est sûre que c'est la solution à prendre. Non, mais faut-tu bien juste être une lime pour être pressée de même? Léa Maude fait de la musique depuis si longtemps qu'on pourrait la qualifier d'éponge à musique. Il semblerait même que le chant lui convient mieux que la parole. Que dire de plus? Ah oui, Jacob est son guitariste. Dans la catégorie chant, musique, interprétation, voici Léa Maude Leblond et Jacob Castonguet qui interpréteront Crier tout bas de Cœur de pirate et Calvaire de la chicane. Bonsoir, je m'appelle Léa Maude et je suis accompagnée de mon guitariste Jacob. Ce soir, on va vous faire deux chansons qu'on apprécie particulièrement.
On va commencer avec Calvaire de la Chicane. Donc, ça va comme suit. Encore une autre nuit à mal, à me chercher quelque chose à faire. Ça me prend pas moi pour me rappeler qu'hier soir je me suis saoulée. Cet après-midi quand je me suis levée, assise devant ma machine à café, en train de rêver le passé. C'est là que j'ai vu t'étais pressée. J'ai de la misère au calvaire, j'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme la rage dans une cage. Or tiens-moi, je me dévore le corps. J'ai besoin de toi pour me taire dans mes erreurs les plus pires. Je veux pas connaître tes rengaines, je veux juste que tu me dises que tu m'aimes. Sans me faire engueuler, je sais tu m'avais dit je vais t'aider. Ça fait 100 fois que je te l'ai promis. Restant tu me regardes et puis tu ris. Je suis pas ton exemple de confiance, mais j'ai ben le droit de prendre ma chance. Rendu au bout si je suis perdu, ça voudra dire que tu m'aimes plus. J'ai de la misère au calvaire, j'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme la rage dans une cage. Or tiens-moi, je me dévore le corps. J'ai besoin de toi pour me dire dans mes erreurs les plus pires. Je veux pas connaître tes rengaines, je veux juste que tu me dises que tu m'aimes. Au calvaire, j'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme la rage dans une cage. Or tiens-moi, je me dévore le corps. J'ai besoin de toi pour me dire dans mes erreurs les plus pires. Je veux pas connaître tes rengaines, je veux juste que tu me dises que tu m'aimes. Merci beaucoup. Enchaînons maintenant avec la prochaine chanson, « Crier tout bas » de Cœur de pirate. Je t'ai vu tracer le long du paysage une ligne des aimés qui détruisent ton langage. Et quand tu chantais plus fort dans ton silence, je voyais les larmes couler toujours à contresens. Mais quand les saisons attendront ton retour, ce sera le vent qui portera secours. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Et si le jour ne vient pas dans la nuit des perdus, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas, crier tout bas. J'ai voulu calmer ton souffle qui s'étouffait, des courses vers le vide, ton rire qui soupirait. Si tu mêles le cap vers des eaux restant troubles, je serai le fort qui te guidera toujours. Mais quand les saisons
attendront ton retour. Ce sera le vent qui portera secours. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Et si le jour ne vient pas, dans la nuit t'es perdue, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas, crier tout bas. Je t'ai vu tracer le long du paysage une ligne des aimés qui détruisent ton langage. Et quand tu chantais plus fort dans ton silence, je voyais les larmes couler toujours à contresens. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Et si le jour ne vient pas, dans la nuit t'es perdu, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas, crier tout bas. Merci beaucoup. Là, j'ai décidé de faire un peu comme tous les bons humoristes de ce monde et de vous présenter une parodie d'une chanson. Parce que c'est prouvé, pour qu'une soirée soit réussie, il doit y avoir des chansons. Donc, musique. Si vous voyagez un brin du côté de Montréal, dites bonjour aux policiers qui ont décidé de vous arrêter. Vous ne pouvez pas les manquer, surtout pas si vous toussez. À leur poste, vous verrez d'autres comme vous se sont plantés. En vous voyant sans vos masques, l'officier sera pas gêné et dira que faites-vous donc à gâcher mon réveillon. Les amandes sont bien salées, ça va vous faire enrager. Il faut reprendre le dessus quand on vide la PCU. 1 500 $, direct d'en face, que c'est pas bon, une contravention, que c'est pas bon, une contravention! Ils font partie d'un mouvement de pacification de la région des Bois-Francs par le heavy metal. Ils nous ont fourni une liste d'influences qui contenait seulement 13 noms d'artistes et de groupes. Ça ne doit être qu'un aperçu, car on n'y trouve aucun groupe de la Norvège. Dans la catégorie chant, musique, création, les derniers participants de la soirée, voici Vincent Poudrier et Nicolas Girard. Bonjour, je m'appelle Nicolas, voici mon ami Vincent. Ça fait 4 ans qu'on joue de la guitare ensemble, poussé par une passion commune pour le métal. Ce soir, on va vous présenter une composition. Thank you.
Là, je vous dis que j'en prendrais pas deux années comme celle-là, moi. Non, mais j'ai dû changer de costume au moins 46 fois. Pas juste à cause des feux de foyer, j'ai eu du trouble avec la police. Oh, ils appellent ça intrusion de domicile et rassemblement illégal. Sans farce, là, pire Noël à vie. C'est assez, les « ho, ho, ho », moi, va vous dire les vraies affaires. C'est assez dur d'être Père Noël en 2020. Alors, je dois limite aller frapper aux portes avant de rentrer. Pis là, moi, je suis plus rendu jeune, là. Faut que je fasse attention à ma santé. Intolérance au lactose pis au gluten. Fait que vous autres à la maison, ratez de m'en donner, gang d'assassins! Maintenant, là, quand je rentre dans la maison, je dois mettre du Purel, je dois mettre des gants. Faut limite que je prenne rendez-vous avec les parents avant de passer. Sans farce, là, ça, tout ça, ça retarde ma distribution. Je viens tout juste de finir! Félicitations à tous les participants et toutes les participantes de ce soir. Laissez-nous vous présenter les membres du jury qui ont eu la responsabilité de sélectionner les numéros gagnants. Anne-Sylvie Gosselin, comédienne, metteuse en scène et animatrice. Catherine Lemay, ancienne participante à Cégep en spectacle en tant que membre du groupe Les Sœurs Sisters. Francis Gaulin, batteur, directeur musical et professeur de musique. Gaët Boucher, producteur, éditeur de la maison des disques Bouche et Oreille et auteur, compositeur, interprète. Geneviève Labbé, auteur, compositrice et interprète. Geneviève Rivard, coordinatrice d'événements caritatifs et artistiques. Isabelle Grondin, chanteuse et coach vocal. José Crête, formatrice à l'Université Laval, faculté de musique, président de la Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec. Retraité de l'enseignement et de la Direction générale de l'harmonie, l'inspiration et du programme musique-études de l'école secondaire Le Boisé. Julie Houle, comédienne et metteuse en scène. Marianne Gagnon, comédienne et metteuse en scène. Maxime Thibault, guitariste et professeur de musique. Patrick Girard, copropriétaire et responsable de la programmation musicale Cactus Resto Bar. Pierre-Luc Houde, comédien et auteur-metteur en scène. Suzanne Lénès, auteure, compositrice, interprète. La tâche du jury est certainement des plus intéressantes, mais elle est aussi exigeante. Ces personnes ont été choisies pour leurs expertises des arts de la scène. Ensemble, ils forment une équipe multidisciplinaire, riche de connaissances artistiques. Nous les remercions d'avoir accepté de s'engager pour les étudiants et les étudiantes artistes. C'est maintenant le temps de prendre une petite pause. Demeurez en ligne pour le dévoilement des gagnants en direct.